Hi, I'm just calling because my daughter isn't answering her phone. Yes, she was supposed to be home already, but I cannot reach her. Could you please send someone there? Kids, calm down. I just hope she's okay. Les gars, je suis trop heureuse de vous revoir. Ça faisait tellement longtemps. Non mais on a trop de choses à rattraper. Et en plus, je sais déjà que t'as beaucoup d'histoires à nous raconter. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas vous, mais quand j'étais petite, ma mère africaine avait beaucoup de mal à me laisser dormir chez des copines. Vraiment, je devais supplier à chaque fois. Heureusement, mes parents étaient chill à ce niveau-là. Franchement, chez moi, c'était mission impossible. Bon, ma mère était un petit peu parano parfois, mais maintenant que je suis adulte, je comprends un petit peu mieux pourquoi. Dimanche 30 avril 2023, à Henrietta, une petite ville de l'Oklahoma. Ashley et Justin Webster profitent de leur week-end. Grasse matinée, repas livrés à domicile, sieste à n'en plus finir, clairement, le couple vit sa meilleure vie comme on dit aujourd'hui. D'autant plus que leur fille, Ivy Webster, qui a 14 ans, n'est pas à la maison ce jour-là. La veille, elle s'est rendue chez son amie Tiffany Guess, âgée de 13 ans. Et bien sûr, leur amie Brittany Brewer, 15 ans, est elle aussi de la partie. Les Webster ne s'inquiètent absolument pas parce que ces trois jeunes filles sont les meilleures amies du monde et elles passent beaucoup de temps ensemble. Tiffany et Brittany sont des jeunes filles calmes, gentilles, vraiment de très bonnes influences pour Ivy. Ivy Webster est une adolescente douce qui adore les animaux. Elle est assez extravertie, très drôle d'après ses amis et surtout très proche de sa famille. D'ailleurs, c'est la seule fille d'une fratrie de 4 enfants. Sa copine, Brittany Brewer, lui ressemble beaucoup. Elle a un grand cœur, elle est toujours prête à aider si quelqu'un a un problème. C'est vraiment le genre de personne à vous prêter sa chemise si jamais vous avez taché votre t-shirt. Sa passion, les concours de beauté. Elle participe à de nombreux concours dans la région, et ce depuis sa petite enfance, et ses parents en sont très fiers. Tiffany Guess, c'est la sportive du trio. Elle est membre de l'équipe de cross-country de son collège, et surtout, elle essaye d'entrer dans l'équipe des Pom-Pom Girls. Tiffany a toujours un sourire sur son visage, à part peut-être quand sa famille l'appelle Tiffasaurus, un surnom qu'elle déteste. Et en parlant de sa famille, ils sont à la maison ce soir-là. Il y a Holly, sa mère, Michael et Riley, ses frères et sœurs, et enfin Jesse, son beau-père. Quelques jours plus tôt, Jesse a appris une terrible nouvelle. Et il a pris une décision que personne ne pouvait imaginer. À 17h, Ashley reçoit un message de sa fille qui l'informe qu'elle sera en retard. Emportées par le jeu, les adolescentes ont décidé de se rendre jusqu'à un ranch situé à McAllister. Mais quand les heures défilent et qu'Ivy ne décroche toujours pas son téléphone portable, ses parents commencent à s'inquiéter sérieusement. Ils ne le savent pas encore, mais le pire reste à venir. Je dirais qu'il était bizarre. Il était très discret. Il était très distant, généralement très calme. Il n'aimait pas discuter avec nous. Jesse McFadden naît le 24 août 1983 dans l'état de l'Oklahoma, aux États-Unis. On connaît très peu de détails sur son enfance, si ce n'est qu'il a un jeune frère, Cody, et que sa mère était sa seule figure parentale quand il était enfant. Visiblement, son père ne faisait pas du tout partie du paysage, et ça, on le sait, ça peut avoir un impact assez important sur le développement d'un enfant. Lors de ses vadrouilles, il croise la route d'une certaine Crystal Sang, une jeune fille de 16 ans qui est très jolie. En tout cas, elle est à son goût. Là, c'est le coup de foudre. Dès le premier regard, Jesse sent son cœur fondre comme un marshmallow sur des braises. Il ressent quelque chose de très intense, mais deux problèmes se posent. D'abord, l'esprit sadique de Jesse lui donne envie de reproduire des scènes dignes de Scream, plus que de Roméo et Juliette. Et ensuite, il faut savoir que son crush n'est absolument pas réciproque. Il a beau être blond, grand, assez athlétique, ça ne suffit tout simplement pas aux yeux de Crystal, qui n'est pas intéressée par lui. Il se moquait de moi, il était tout simplement dégoûtant. Il avait une personnalité bizarre. Ce n'était pas du tout une personne avec qui j'envisageais de sortir. Vous et moi, on en serait probablement restés là, on aurait ravaler notre fierté et on serait allé manger une bonne petite glace devant un film sur Netflix. Mais pas Jesse. Vers 3h du matin, j'ai entendu frapper à la porte. Je me suis demandé qui c'était
Il n'arrêtait pas de frapper. J'étais chez mon père, il n'était pas là. Je portais seulement un short et un débardeur. J'ai ouvert la porte, c'est là que j'ai vu Jesse. Il m'a dit que sa petite amie l'avait mis à la porte et a exigé que je le laisse entrer. Quand je lui ai dit de rentrer chez lui, il a forcé l'entrée de la maison. À cet instant précis, Crystal réalise ce qui l'attend. Et en plus, Jesse la nargue, il lui dit « Mais ah, tu vois, peut-être que t'aurais bien fait de sortir avec moi, hein. Tu voulais jouer la fille hautaine, bah voilà, tu n'as que ce que tu mérites. » Il parvient à la ligoter et il va faire quelque chose d'horrible. Je rappelle qu'il a seulement 19 ans à ce moment-là. Il abuse de cette jeune fille. Heureusement pour Crystal, son agresseur finit par baisser la garde, alors elle s'enfuit par la fenêtre et elle court jusqu'à la maison de ses voisins les plus proches. Elle est complètement paniquée, alors bien sûr, à la vue de cette jeune fille en détresse, les voisins n'hésitent pas à lui ouvrir leur porte. Ils l'accueillent, ils la font asseoir et là, elle leur raconte toute l'histoire de A à Z. Immédiatement, ils se disent « on doit appeler la police, quelque chose cloche. Et si ce gamin traîne dans le quartier, il va peut-être agresser d'autres personnes. » Quelques minutes plus tard, la police est sur les lieux. Et il ne leur faudrait que quelques heures pour trouver Jesse McFadden. Après la fuite de Crystal, l'adolescent a bien compris qu'il est complètement foutu. Elle connaît son visage, elle connaît son nom et elle n'a aucune raison de le protéger. Jesse sort de chez Crystal, il marche jusqu'au bord d'une rivière et c'est là qu'il prend une décision incroyablement lâche. Sauter la vie. Enfin, disons plutôt essayer de sauter la vie en se taillant dans les veines. Manque de bol pour lui, la police arrive avant qu'il ne puisse rejoindre l'au-delà. Au vu de toutes ces preuves accablantes, Jesse est condamné à 20 ans de prison. Pour lui, c'est le choc. Il a seulement 19 ans. Il va passer les plus belles années de sa vie derrière les barreaux. J'ai une nette préférence pour l'appellation américaine du système carcéral. Là-bas, l'expression légale pour désigner une prison est un département de correction. Et c'est normal. Après tout, une peine de prison doit nous permettre de nous remettre en question, de nous remettre sur le droit chemin. Mais pour ça, il faut que le détenu fasse preuve d'un minimum de bonne volonté. Et ce n'est pas du tout le cas pour Jesse McFadden. James Fleming, un autre détenu, se souvient de son séjour auprès de Jesse. Selon lui, alors qu'il est incarcéré depuis déjà 16 mois, Jesse n'a pas changé d'un poil. Il est toujours aussi manipulateur, sombre, et il se donne même le luxe d'harceler une gardienne de prison. Avec Jesse, le changement, ce n'est pas pour maintenant. Et loin de s'arrêter là, il finit par renouer avec ses vieux démons. Nous sommes le 8 juillet 2016, Jesse a 33 ans. Il vient donc de passer les 14 dernières années derrière les barreaux. Lors d'une fouille de routine, les gardiens de prison trouvent un téléphone portable dans la cellule de Jesse. Bien sûr, en tant que prisonnier, il n'a pas le droit d'en posséder un puisque ses communications avec l'extérieur sont régulées. Quelques jours plus tard, un homme âgé contacte le département correctionnel de l'Oklahoma. Il explique que depuis plusieurs mois, sa petite fille, âgée de 16 ans, est en contact régulier avec un homme de la trentaine. La jeune fille entretient en fait un contact régulier avec Jesse McFadden. Et là, vous vous demandez peut-être comment tout cela est possible, je vais vous expliquer. Début 2016, Caitlin Babb, 16 ans, doit quitter sa ville natale, tout ce qu'elle a connu, tous ses amis, pour aller vivre chez ses grands-parents. Vous l'imaginez bien, pour l'adolescente, c'est une période particulièrement difficile et elle se sent très très seule. Et en plus de ça, dans la foulée, elle doit changer de numéro de téléphone. Il se trouve que le numéro de téléphone qui lui a été attribué appartenait auparavant à un ami de Jesse. Un jour, Jesse essaie de joindre ce contact et il tombe nez à nez avec Caitlin Babb. Un adulte normal aurait arrêté toute communication avec cette jeune fille, mais pas Jesse. Étant donné ses perversions et surtout son excès de temps libre, il s'immisce peu à peu dans la vie de cette jeune fille. Il lui fait croire qu'il l'aime, qu'il la comprend mieux que personne et qu'une fois qu'il sera sorti de prison, ils pourront se retrouver et vivre une belle histoire d'amour. C'est dégueulasse. Vous vous en doutez un petit peu, Jesse ne peut pas du tout se contenter d'une relation platonique, hein. Alors au bout de quelques semaines de discussion, il demande à Caitlin des photos osées. Et Jesse est tellement culotté, il est tellement sûr de lui, qu'il a le toupet d'envoyer une lettre à cette jeune fille, à son adresse où elle vit avec ses grands-parents, et il signe cette lettre « Ton mari ». Vraiment le niveau d'audace, hein.
Aussi efficace que Sherlock Holmes, le papy remonte la piste de cet horrible homme qui parle à sa petite fille et il réalise que c'est un prisonnier, un détenu au département correctionnel de l'Oklahoma. Il faut savoir que dans l'état de l'Oklahoma, les détenus peuvent demander une libération conditionnelle à partir du moment où ils ont effectué 85% de leur peine. Jesse fait bien évidemment cette requête de libération conditionnelle et en 2016, après 16 ans derrière les barreaux, il est libéré. Un mois après sa libération, un mandat d'arrêt est émis contre lui dans le cadre de l'affaire l'opposant à Kathleen Babb, la jeune fille de 16 ans. Il est placé en détention provisoire, mais finalement, en l'échange d'une caution d'une valeur de 25 000 $, il est laissé libre en l'attente de son procès. Jesse sort de prison et il n'a jamais vécu dehors en tant qu'adulte. Jesse n'a pas d'argent, il est fiché comme délinquant sexuel et il retourne vivre chez sa mère. Je vous l'ai dit en début de vidéo, très peu d'éléments sont connus de la vie de Jesse quand il était plus jeune, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que la maison familiale des McFadden était tout sauf un havre de paix. D'ailleurs, le jeune frère de Jesse, Cody, enchaîne les allers et retours en prison depuis qu'il est majeur. Agression, vol, cambriolage, il a absolument tout fait. À chaque fois, il passe plusieurs mois en prison, puis retourne vivre chez sa mère, et ensuite, il recommence. Et si je vous parle de Cody, c'est parce que c'est un signe évident que l'environnement familial des McFadden était tout sauf sain. Qu'un enfant ait des penchants sadiques, ok, je peux l'envisager, mais que tous les enfants d'une même famille tournent aussi mal, il y a anguille sous roche, hein. Une fois les portes et les volets fermés, Dieu seul sait ce qui se passait au sein du foyer des McFadden. Pour se réintégrer, Jesse se lance dans une activité freelance. Alors laquelle exactement ? Mystère et boule de gomme, hein ? Toujours est-il qu'il parvient à se relancer financièrement et qu'il finit même par faire une belle rencontre. Au courant de l'année, il fait la rencontre d'Holly Guest. Holly a la trentaine et elle est déjà mère de 3 enfants. Face à la demoiselle, Jesse sort le grand jeu. Physiquement, il a de nombreux atouts. Et surtout, il manie la langue de Molière comme personne, c'est un très beau parleur. Très vite, Holly est envoûtée par cet homme. Est-ce qu'il lui parle de son passé criminel ? Plus ou moins, on peut dire qu'il enjolive un petit peu la situation. En manipulateur avisé, Jesse déforme complètement la réalité. Selon lui, l'incident avec Crystal Song était une horrible erreur, et en plus elle n'avait pas 16 ans mais 19 ans. Et s'il a fini en prison, c'est simplement parce que les membres de sa famille ont mené une véritable vendetta contre lui. Il est prêt à tout pour garder Holly sous son emprise, il va même jusqu'à engager une actrice ressemblant à Crystal pour appuyer ses propos. Je n'avais jamais vu ça. Et ce n'est pas tout. En plus de mentir à Holly, il est très contrôlant avec elle et ses enfants. C'est-à-dire qu'il gère tout à la maison, il est très strict. Il gardait ma fille et les enfants sous clé. Il fouillait toujours dans leur téléphone et lisait tous leurs messages. Ce n'était pas un parent inquiet. Il voulait surtout garder un œil sur les enfants. Il devait savoir où ils étaient à tout moment. L'ex de Holly a découvert que Jesse avait peut-être abusé de l'un des enfants et il a pété un plomb. Et d'ailleurs, plus tard, la famille de Holly avouera n'avoir jamais aimé Jesse McFadden. C'était un homme froid, solitaire, autoritaire et il préférait passer tout son temps dans sa chambre plutôt que de discuter avec eux. En mai 2022, Jesse quitte la maison de sa mère pour emménager avec Holly et ses enfants à Henrietta. La ville de 6000 habitants est censée représenter un nouveau départ pour Jesse. Mais elle sera le théâtre de son pire crime. Si vous avez bonne mémoire, Jesse McFadden a encore une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et ce, pour les accusations dont il avait fait l'objet en 2017, donc sa relation avec la jeune Kathleen Babb. La jeune fille, âgée de 16 ans à l'époque, est à présent sur le point de fêter ses 24 ans. Entre la Covid-19 et le système de priorisation des affaires criminelles, Jesse a pu vaquer à ses occupations pendant 6 ans. C'est énorme, pendant 6 ans, il était tranquille. Cependant, les choses sont sur le point de changer. Le 1er mai 2023, il doit comparaître auprès du tribunal. Il le sait, il est complètement foutu.
Et pire encore pour lui, il a perdu toute emprise sur Caitlin. Quand elle était encore adolescente, il l'avait convaincue de venir témoigner en sa faveur lors du premier procès, mais entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts, Caitlin a réalisé à son statut de victime et elle est prête à tout pour le faire tomber. JC en a bien conscience, le 1er mai, il retournera en prison, il en est certain, il est multirécidiviste, il n'y a pas moyen qu'il puisse y échapper. Retour au 29 avril 2023. Ivy Webster, 14 ans, et Brittany Brewer, 15 ans, viennent passer une bonne petite soirée chez leur amie Tiffany Guess, 13 ans. Tiffany Guess, la fille de Holly Guess, Holly Guess, la compagne de Jesse McFadden. Ce soir-là, à la maison, il y a aussi Holly Guess, deux autres de ses enfants, et bien sûr, Jesse McFadden. Le dimanche 30 avril 2023, il prend une décision. Il sait exactement comment se tirer de ce mauvais pas. Il décroche son téléphone, compose le numéro de sa mère et là, elle lui dit « Écoute, maman, tu sais que là, je suis convoquée pour aller au tribunal, mais en fait, moi, je ne mettrai plus jamais les pieds en prison. C'est hors de question. Donc, je vais tuer toutes les personnes qui se trouvent dans la maison maintenant et ensuite, je vais me suicider. » Pour une raison que j'ignore, la mère de Jesse ne réagit pas réellement. Elle prend peut-être son fils pour un fou, peut-être qu'il avait l'habitude de lancer des menaces en l'air, comme ça. En tout cas, elle ne prend même pas le temps de contacter les autorités pour les prévenir que peut-être quelque chose pourrait arriver, non. Elle raccroche le téléphone et elle va qu'à ses occupations. Pendant ce temps-là, Jesse se rend jusqu'à la chambre conjugale. Il cherche une arme, un 9 mm acheté par sa femme en janvier 2023. Ensuite, il sort de la chambre. Et sans crier gare, il se met à tirer sur toutes les personnes présentes. Il va dans le salon, il trouve Holly, il lui tire dessus, il tire sur ses deux autres enfants. Ensuite, il va trouver les trois jeunes filles qui vivaient leur meilleur week-end et il tire sur chacune de ces jeunes filles. Il faut savoir qu'avant de les tuer, Jesse McFadden a abusé d'Ivy Webster et de Brittany Brewer. En personne extrêmement lâche, Jesse va faire quelque chose d'affreux. Il vient juste de tuer tous les membres de sa famille et des petites filles qu'il ne connaissait même pas. Et il se connecte au compte Facebook de sa femme pour envoyer un message à Caitlin Babb. Là, il lui dit « J'ai fait exactement ce que j'avais promis de faire quand je suis sortie. J'ai trouvé un emploi dans le marketing, j'ai gagné beaucoup d'argent. En 2 ans, j'ai beaucoup progressé et j'ai une belle vie. Exactement comme je te l'avais promis. Maintenant, tout est parti. Je t'avais dit que je n'y retournerais pas. C'est à toi de prendre le relais. » Non, vous ne rêvez pas. Jesse jette la responsabilité de ses crimes sur Caitlin. Aux environs de 17h, il prend le téléphone de la jeune Ivy Webster. Là, il envoie le fameux message à sa mère. Bien évidemment, tout cela est complètement faux. Les jeunes filles sont à présent décédées. Tout cela n'est qu'une stratégie pour gagner du temps. Une fois satisfait de son travail, Jesse McFadden place le canon du 9 mm dans sa bouche et... Le 1er mai 2023, suite aux plaintes des familles d'Ivy mais aussi de Brittany, les autorités se rendent sur place chez les Guess. Ils frappent à la porte, pas de réponse, rien. C'est un petit peu bizarre, mais bon, ils ne peuvent pas entrer comme ça. Ils reviendront plus tard avec un mandat. Il faudra plusieurs drones et même des machines d'excavation pour retrouver les corps des 6 victimes. Avant de sauter la vie, Jesse McFadden avait pris le temps de disperser les corps, de les enterrer à différents endroits de la propriété de 80 hectares. En fouillant la maison, les autorités vont retrouver un registre sur lequel Jesse McFadden notait des noms, a priori les noms de ses victimes. Et je ne parle pas des victimes de ses meurtres, mais des victimes de ses agressions sexuelles. Et oui, alors qu'il était totalement libre, le monstre continuait à s'en prendre à des enfants innocents. Et au cœur même de la maison, les enquêteurs découvrent horreur après horreur. Par exemple, une arrière-salle. Dans cette arrière-salle, ils ont trouvé des serrures, des chaînes, des vêtements d'enfants tachés de sang. Et bien sûr, sur son ordinateur, sur son téléphone portable, il y avait des photos de mineurs vraiment inappropriées, de la pédopornographie, quoi. Derrière son apparence de monsieur tout le monde, Jesse McFadden ne s'était jamais débarrassé de ses démons.
J'ai vraiment de la peine pour les victimes, mais une partie de moi ne peut s'empêcher de penser que toute cette histoire, tout ça aurait pu être évité. D'après tous les témoignages que j'ai pu lire, Holly était une mère très aimante, mais l'opinion publique est très partagée sur son rôle dans cette histoire. Certains pensent qu'elle aurait dû se pencher davantage sur le passé criminel de Jesse McFadden, en tout cas avant de l'introduire pleinement dans sa maison. Le coupable reste bien Jesse McFadden, et le plus triste dans cette histoire, c'est qu'il s'est suicidé et donc qu'il ne verra jamais les conséquences de ses actes. Si vous avez des frères et sœurs ou que vous êtes parents, sachez qu'on n'est jamais trop prudent. Mais sachez aussi qu'on ne peut pas tout contrôler. On fait toujours au mieux pour nos proches, mais on ne s'imagine jamais que le mal peut exister si près de chez nous. Vous le savez, au vu des sujets que je traite, l'algorithme YouTube n'est pas mon plus fervent supporter. Heureusement, je peux compter sur vous pour aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous plaît, et puis laisser un commentaire que je lirai à coup sûr. Je réponds au maximum de commentaires quand la vidéo est postée. Merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Oh, ok, j'ai du popcorn. J'ai du popcorn qui est en train de péter dans le micro-ondes, donc je vais vous laisser là. Mais je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.